Et il y a aussi beaucoup de battages au centre aquatique Maria Lenk de Rio, mais pas à cause des plongeons parfaits. Malgré les efforts de nettoyage des organisateurs, l'eau dans le bassin de plongée était toujours verte. Je suis désolé de ne pas avoir eu tous les détails, mais je comprends que vous voulez comprendre les prochaines étapes en ce qui concerne l'eau du site Maria Lenk. Nous nous avançons vers une approche plus radicale avec l'eau. Une partie de l'eau du bassin principal sera remplacée plus tard dans la soirée. Mardi, l'eau du bassin de plongée a viré au vert brillant, déconcertant les concurrents et les spectateurs. Le responsable du comité organisateur de Rio 2016 a dit que c'était dû à une baisse soudaine des niveaux alcalins et a garanti la sécurité de l'eau. Mais malgré les efforts de nettoyage, la teinte de l'eau n'a pas changé. Monsieur Andrada a dit que le bassin sera vidé et rempli avec près de 3,5 millions de litres d'eau claire avant le début de l'événement de nage synchronisé ce dimanche.